cadeau dans sa cité de Bobigny. Dans son bâtiment plein de tags et de ciment, la vie d'Alex est le graffiti et la cravie n'a pas le temps d'exprimer ses sentiments. Petite fille qui s'appelle Noémie n'a jamais connu la pauvreté, la zermie. Dans son lycée, c'est plein de gosses, des beaux quartiers. Elle n'a jamais habité en cité. Deux adolescents tellement différents seront liés pourtant par le destin. Ils ne savent pas vraiment ce qui les attend, que leur vie aura un jour le même chemin. Alex s'en va pour le collège d'à côté. Près de son HLM tout détérioré. Petite fille portant toujours le même fardeau à cause de sa couleur de peau. Deux adolescents tellement différents seront liés pourtant par le destin. Ils ne savent pas vraiment ce qui les attend, que leur vie aura un jour le même chemin. La pauvre fille, cette pauvre anonyme, est hélas tous les jours victime des moqueries de quelques collégiens. La violence, c'est son quotidien. Le jeune Alex s'en va en ville après l'école et croise la fille en train de se faire insulter. Il sent en lui un vrai sentiment de révolte et court très vite pour s'interposer. Il fonce alors à sa rescousse sans la connaître et réussit à faire taire ses harceleurs. La haine de l'autre et le racisme n'ont pas lieu d'être, car tout le monde a droit au bonheur. Deux adolescents tellement différents seront liés pourtant par le destin. Ils ne savent pas vraiment ce qui les attend, que leur vie aura un jour le même chemin. Pensa, prima di insultare, pensa prima di dire e di giudicare.